Bonsoir. Je suis marseillais. Ça s'entend? Je m'appellerai dans le Mouguet-Rabat. Je suis content d'être ici à Montreux. Montreux, c'est magnifique. J'ai visité un petit peu le... Il n'y avait rien à visiter, en fait. Hein. Même les gens, c'est des figurants, des touristes. Tous les gens, ils habitent pas ici. J'ai parlé avec une personne, elle m'a dit, j'ai dit, t'habites Montreux? Elle m'a fait, non, j'habite Vevey. Vevey? J'ai dit, comment on appelle les habitants de Vevey? Vevezan. J'étais quoi? Madame, il faut aller voir un orthophoniste, madame. Non, mais je vous jure. Moi, je suis Marseille. Marseille, c'est une ville magnifique. On a le métro à Marseille. Deux lignes de métro. La ligne 1, la ligne 2. C'est le seul métro au monde qui se croise deux fois, je vous jure. Tu peux faire un double changement sur la même ligne. C'est-à-dire que même si tu te trompes de ligne, tu arrives quand même à destination. La dernière fois, je croise un mec qui me dit, on prend quelle ligne pour aller au stade Vélodrome? J'ai dit, tu prends soit la ligne 1, soit la ligne 2. Il me dit, dans quel sens? Je fais, c'est comme tu veux, frérot. C'est comme tu veux, tu arrives à destination. Et c'est vrai que tu vois, le maire de Marseille, il est très très fort. Il a fait un tramway, je vous jure. Il suit les lignes de métro. Il me dit, monsieur, pourquoi vous faites ça? Il me dit, on ne sait jamais, si tu as une dispute avec ta femme, elle prend le tramway, tu prends le métro, au moins tu ne vois pas sa gueule. Waouh. Non, je suis super content d'être ici. Moi, je suis marseillais, j'adore le rap. Marseille, c'est connu pour un chanteur qui s'appelle Soprano. Ça vous parle? C'est beau, Soprano. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Psychiatres de la Rime. Un groupe composé d'Alonzo, Vincenzo, Soprano, les seuls rappeurs avec des noms de Tortue Ninja. Et Soprano, j'adore, il fait The Voice, le mec, il parle, tu comprends rien. Il chante, c'est pire. Ça fait ça. Ah, ça sert bloqué, puis m'a allumé à la noix de coco. Sur ma mère, j'aime trop le Kinder Bueno. Qui me dit que les gens, que le sang, que les fans, que les gens, que les sang, que les fans du ping-pong. Hala, hala. J'ai fait écouter l'album à ma mère, elle m'a fait, c'est rayé. Je fais, non. C'est Soprano, c'est juste qu'on comprend rien. Ça se voit pas, mais je suis musulman. J'ai niqué l'ambiance, je suis musulman. Ils se sont dit, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je crois en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu dans la salle? C'est pas un guet-apens, il a levé la main, il s'est dit, putain, c'est quoi ton prénom? Quentin, t'inquiète pas, je vais pas exploser, c'est pas une ceinture explosive, c'est mon ventre, j'ai du bide. Je te vois que c'est pas bien, j'ai dit, alors, est-ce que c'est vraiment un truc de fou? Non, Quentin, tu crois pas en Dieu, tu crois en quoi, Quentin? En rien, ouais, c'est le concept. Non, mais souvent, je pose la question, les gens répondent différemment. Je crois en la science, je crois en la nature. Et il y a une femme, juste avant, m'a répondu un truc de malade. Elle m'a dit, je crois en moi. Il n'y a qu'une femme pour se positionner au-dessus de Dieu, pour te dire la technique des femmes, Quentin, t'es assis à côté de Bob l'éponge. Tu as une coupe, ben ouais. Je te vois, j'ai envie de faire la vaisselle. J'ai envie de laver des assiettes. Mais sur ta tête. On dirait le bonhomme CTLM, mais en civil. Il est là. Même lui, il a le droit de voir des spectacles. Quentin, toi, tu te situes dans quelle catégorie? Tu crois en la nature, en la science ou en toi? Plutôt science. C'est bien, c'est très bien. Moi, j'ai une théorie, Quentin. Je crois qu'on croit tous en Dieu au moins deux fois dans l'année. La première, Quentin, c'est quand tu prends l'avion et que l'avion, il tremble. Moi, perso, je prie Dieu. Quentin, il est là. Allez, Archimède. Sors-nous de là. Moi, l'avion tremble, je sors mon doigt. Comme ça, il y a une dame m'a dit, pourquoi le doigt? C'est pour la connexion 4G avec Dieu. Et je prie en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Mais tu peux pas trop prier en arabe, à voix haute. Dans un avion. Depuis le 11 septembre. Parce que peu importe la destination, t'atterris à Guantanamo. En orange, j'ai chanté Guantanamera. Nomina Guantanamera. Je vous donne la technique, musulmans. Si vous prenez l'avion et que ça trempe, il faut prier, mais prier en mode avion, comme ça. T'es sûr, t'as pas de problème. Moi, quand je prends l'avion tremble, je parle à Dieu. Je fais, écoute, Dieu, si tu me sors vivant de cette situation, si on atterrit, que je suis en vie, j'ouvre un orphelinat en Afrique. Je suis comme ça, je suis déterminé. À peine j'atterris, je vois que je suis en vie. Je récupère ma valise. C'est où les putes dans ce bled? Non, c'est... J'oublie! T'as tous les mecs qui vont voir les putes qui ont applaudi. J'ai dit, oui, ça, c'est un bon sketch. La deuxième fois où on croit tous en Dieu, tu me dis, si je me trompe, Quentin, c'est au moment de payer avec sa carte bleue. Sa carte de crédit, quand le montant est élevé.
La vendeuse, elle te regarde, elle te fait, ça fait 1788 francs. 1788 francs. Tu mets ta carte, tu tapes ton code, écrit veuillez patienter, autorisation cours. Moi, je lis veuillez prier, je fais ça. Bismillahirrahmanirrahim. Mais très souvent, ça fait paiement refusé parce que ça en relation avec ta religion. Et comme nous, notre religion, elle est éprouvée en ce moment, je regarde la vendeuse, je fais, excusez-moi, madame, est-ce que je peux reprier? Je peux réessayer. Elle me dit, oui, allez-y. Tapez votre code, code bon, veuillez patienter, autorisation cours. Et je repris. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Faites que mes paiements soient acceptés. Paiement accepté. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, alléluia. Alléluia, madame. Alléluia. J'ai fait ce sketch tout à l'heure. Il y a un mec qui m'attrape à la fin. Il m'a fait, excusez-moi, monsieur. Vous parlez des chrétiens, c'est bien. Vous parlez des musulmans, c'est très, très bien. Mais vous ne parlez pas des juifs. J'ai dit, où tu as vu un juif paiement refusé? Non. C'est eux qui ont inventé la machine à carte bleue. Le paiement sans fil avec Tel Aviv. La juifie. J'ai même le slogan. Juifie des idées de génie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.